Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo d'explication des règles du jeu des gardiens de l'éther. Alors pour vous expliquer comment fonctionne le système de jeu au niveau des gardiens de l'éther, il faut deux sets de dés. Il va y avoir un set de dés appelé le déjoueur et un set de difficulté. Et la mécanique va être très simple. Puisque dès qu'un maître de gardien va demander une épreuve à un chaman. Et eh bien le chaman va se saisir de son déjoueur. Donc on va prendre, admettons, un des 8 Et le maître des gardiens assigne une difficulté à cette épreuve. Et là, par exemple, eh bien, le maître des gardiens va assigner une épreuve à D6. Et donc le chaman récupère les deux dés et jette directement les deux dés et vérifie l'état euh, de ceci. Si le déjoueur est supérieur ou égal au dé de difficulté, l'épreuve est une réussite. Si le dé de difficulté est supérieur au déjoueur, l'épreuve est un échec. Et c'est la base du système de jeu euh, des gardiens de l'éther. Tout va se jouer sur euh, les dés entre euh, le déjoueur qui va aussi entre le D4 et le D12. Et les dés de difficulté qui vont aussi osciller entre le D4 et le D12. Cependant, les chamans ont aussi quand même des capacités qui sont notées sur leur fiche de personnage. Donc ici, nous avons une fiche de personnage d'un des peuples, euh, le Folker, avec ces euh, éléments pour qu'ils puissent euh, effectuer ses épreuves. Les chamans sont dotés de cinq caractéristiques, dont quatre qui sont notées agrégat le premier agrégat c'est l'agrégat physique le second agrégat c'est l'agrégat sensoriel le troisième c'est l'agrégat mental et le dernier c'est l'agrégat sensitif donc le premier agrégat qui est l'agrégat physique euh, va jouer sur le corps du chaman et sur ses capacités physiques va-t-il courir rapidement euh, va-t-il pouvoir escalader euh, donc une montagne ou euh, Réussir à nager de l'autre côté de la rive. Le deuxième agrégat, donc qui est l'agrégat sensoriel, euh, définit ses, euh, cinq, euh, ses cinq sens la perception, le toucher, euh, l'ouïe. Est-ce qu'il va voir quelqu'un euh, quelqu de loin Est-ce qu'il va reconnaître un son Le troisième agrégat, qui est l'agrégat mental, est la somme de ses connaissances. Est-ce qu'il va connaître euh, L'étiquette d'une cour royale Est-ce qu'il va réussir à décoder euh, un vieux message euh, d'une langue oubliée Et le dernier agrégat, l'agrégat donc euh, sensitif, et euh, sa perception du monde, son sixième sens. Est-ce que lors d'une interaction, euh, un adversaire, un PNJ, est en train de lui mentir euh, Est-ce qu'il va ressentir un danger Est-ce qu'il va pouvoir. Euh, voilà. Euh, ressentir un élément sur son environnement qui pourrait le mettre en danger. Et donc, la somme de tous les agrégats qui sont notés ici, donc sur les, sur les quatre, représente aussi la vie, les points de vie du chaman. Le dernier est les points de lien éthérique. C'est ce qui va lui servir à lancer les pouvoirs qui lui sont octroyés par les gardiens. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, un chaman va devoir lancer deux dés. Pour pouvoir réussir une épreuve cependant il euh, peut avoir la possibilité de diminuer la difficulté en, euh, en s'épuisant prenons un exemple sur un, agré un agrégat physique un maître gardiens va imposer une épreuve car euh, eh bien le groupe de chamans ou le chaman en particulier euh, veut absolument poursuivre un, un PNJ donc pour ce faire, euh, le chaman va choisir le dé correspondant à son niveau d'agrégat. Donc là, comme on peut voir sur cette feuille de personnage, le chaman a un dé joueur qui est à D8. Et euh, le maître des gardiens lui impose une difficulté à D10 parce qu'il y a euh, beaucoup de monde, c'est une place du marché, euh, beaucoup, énormément d'embûches. Hein. Et donc là, le chaman va avoir la possibilité de diminuer son dé de difficulté. Pour ce faire, pour chaque point d'agrégat qu'il va dépenser, il va diminuer son dé de difficulté de 1. Ça signifie qu'en perdant de la vie, il a plus de chances de réussir son épreuve en diminuant sa difficulté. S'il baisse encore euh, son agrégat de 1, il va encore diminuer sa difficulté. Et une fois qu'il a fait son choix, il garde son dé joueur qu'il avait auparavant. Jette les deux dés et vérifie si effectivement c'est une réussite ou non. Là, en l'occurrence, c'est un échec. Il n'aura pas réussi à rattraper euh, l'adversaire qui voulait rattraper. Et quand il va continuer la partie, en étant dans cette configuration, maintenant, pour tout ce qui est agrégat physique, eh bien, le chaman va devoir lancer un D6. Il ne peut pas utiliser des agrégats euh, d'un... D'autres agrégats sur euh, une épreuve spécifique. C'est-à-dire que si c'est une épreuve physique qui est demandée, il ne peut pas, euh, par exemple, euh, utiliser des agrégats mentaux ou euh, sensitifs pour pouvoir diminuer la difficulté. C'est uniquement lié à l'agrégat dont l'épreuve est en cours. Maintenant, nous allons voir la partie combat. Alors, la partie combat est un peu spécifique dans les gardiens de l'éther. Nous utilisons ce qu'on appelle une battle map qui va représenter qui est une représentation euh, fictive du combat en cours donc quand un combat est initié euh, les joueurs vont se positionner en fonction euh, des éléments du scénario donc tout à fait par exemple ici et ici et le maître des gardiens va pouvoir placer les adversaires en fonction des éléments du scénario à partir de là chaque joueur, chaque chaman, va avoir trois actions qu'il va disposer comme il désire sur son plateau de combat. Donc si nous reprenons par exemple notre exemple, un joueur va pouvoir positionner des éléments, ses jetons d'action sur ce plateau. Et au fur et à mesure que le combat va se dérouler, le maître des gardiens va appeler les différents rangs au fur et à mesure. Et si un joueur a une action, un jeton d'action sur un de ses rangs, il peut effectuer l'action euh, en cours. Donc par exemple, dans ce cas-là, à partir du moment où le maître des gardiens uti demande euh, les actions de rang 1, et eh bien ce joueur, ce chaman, ne va pas faire d'action puisqu'il n'a placé aucune action dessus. Par contre, au rang 2, il va pouvoir en effectuer une. Nous pouvons remarquer que sur les feuilles de combat, des fiches de combat, il y a des cases grises. Celles-ci, pour l'instant, sont vides. Elles représentent des moments de repos euh, très rapides pour le chaman, pour qu'il puisse respirer, souffler, et aucune action euh, ne doit être placée dessus. Nous avons plusieurs types d'actions euh, qui sont communes aux peuples et certaines qui sont spécifiques à des peuples. Ce type d'action, ici, noté... Euh, donc de, la, de cette couleur, ce sont des actions de peuple. Chaque peuple a sa propre action, vous le verrez tout à l'heure dans l'actuel la, play, mais certaines permettent de regagner des agrégats durant un combat, d'autres permettent de se déplacer directement sur la battle map, euh, pendant que d'autres permettent euh, de soigner et de déplacer aussi des personnages. Ces actions, ce sont des actions de gardien. Donc à partir du moment où une action de gardien est placée ici, eh bien le chaman peut utiliser un de ses pouvoirs qu'il possède, euh, qui va influer la battle map, euh, faire des dégâts ou se déplacer ou réorganiser euh, les pions. Ici, nous avons des actions de déplacement. Donc à partir du moment où une action de, de déplacement est placée, eh bien le chaman peut se déplacer sur la battle map. Et ensuite, nous avons des actions de combat à distance, les actions de combat au corps à corps. Les actions de combat au corps à corps, le chaman et l'adversaire doivent être sur la même case. Mais pour une action de combat à distance, à partir du moment où il y a une case d'écart, jusqu'au maximum, une action de combat à distance peut être effectuée. Vous verrez durant la partie... Euh, les interactions entre les différents peuples peuvent amener des bonus pour chacun des chamans, mais des malus aussi pour les adversaires. Et les euh, chamans vont pouvoir euh, dérouler leurs actions, si elles arrivent par exemple sur le même rang, euh, comme ils le désirent, pour euh, eh bien, maximiser euh, leurs effets. donc Là, nous avons des rangs euh, de 1 à 7. Une fois que les trois actions ont été utilisés et que le rang 7 a été appelé. Chaque joueur reprend ses actions et un nouveau tour de jeu va être appelé. Tour de jeu qu'on appelle Katoum dans les gardiens des terres. Et les joueurs vont pouvoir repositionner les actions en fonction de la topologie du combat. Et euh, réagir au mieux en fonction de la menace qui, euh, qui pèse sur eux. Certaines actions peuvent être par exemple euh, doublées voire triplées. Les actions de peuple, et les actions de gardien ne peuvent avoir qu'une seule action ainsi que celle-ci mais je vais y venir euh, dans un instant. Pour chaque action par exemple de déplacement qui sont placés et eh bien le chaman peut se déplacer sur la battle map et pour chaque action qui va être placé en plus de la première sur une action de combat à distance ou de corps à corps, et bien en fait la défense de l'adversaire va être euh, diminuée. Je prends un exemple. Si admettons, je me retrouve dans un cas de figure où mon chaman, qui lui possède un D4 en euh, attaque à distance, ce qui est assez peu, mais qu'en face, il peut se retrouver avec une défense à des 8 qui est quand même assez conséquente. Et eh bien, le joueur peut tout à fait, au moment où il a mis en place ses actions, et eh bien avoir mis une deuxième action ici où la défense de l'adversaire sera diminuée d'autant euh, d'actions que la première qui a été placée. Donc, s'il replace encore une troisième action Donc sur mon attaque à distance, eh bien, je me retrouve avec un des euh, joueurs à D4 et une défense de l'adversaire à D4. Et ensuite, le chaman peut tout à fait faire euh, le G et euh, vérifier s'il touche ou non. Donc dans, dans ce cas de figure, il ne touche pas. Lorsqu'une attaque est couronnée de succès, eh bien, la différence de D. Euh, entre le déjoueur et le dé difficulté sont les dégâts qui vont être appliqués soit au chaman si c'est un adversaire qui a effectué une, une attaque, soit directement au point de vie de l'adversaire si c'est un chaman qui a euh, effectué euh, l'attaque. Donc admettons, on est dans un cas assez favorable où l'attaque est à D10 et la défense est à D4. Et bien dans ce cas de figure, j'ai fait 6 avec le D joueur et 1 avec la défense, l'adversaire. Euh, va prendre 5 points de dommage qui va directement retirer de ses points de vie. Ensuite, il va rester, et vous allez voir durant la partie, les actions de réaction. Les actions de réaction, ce sont des actions qui sont spécifiques au peuple. Il y en a une cependant qui est commune à toutes. Pour utiliser une action de réaction, il faut aussi avoir placé un jeton dessus. Et en l'occurrence, celle-ci, c'est une action qui nous permet d'augmenter notre défense de 1. Donc, par exemple, si un adversaire nous attaque, on peut couper directement le tour de l'adversaire pour dire j'utilise mon action de réaction. Et dans ce cas, grâce à ça, à cette défense, eh j'ai mon D qui va être augmenté de 1. Donc, par exemple, dans mon cas avec ce personnage, ma défense qui était à euh, D6 va pouvoir passer à D8. Donc, il aura plus euh, de difficultés pour pouvoir me toucher. Ce que si vous verrez durant la partie, les deux autres actions deux réactions qui font partie des peuples leur amènent euh, des gameplays où euh, et bien certains peuvent se déplacer euh, directement sans, euh, sans passer par ce type de case euh, peuvent avoir des relances euh, et euh, tout autre euh, élément pour favoriser les chamans durant, durant le jeu. Il reste ensuite une dernière petite chose. Ici, vous avez un compteur avec le D20. Au fur et à mesure que l'on avance dans le combat, ce compteur avance. Et arrivé à 10 tours de combat, eh bien, un des chamans euh, se trouvant dans le combat peut effectuer une attaque éthérique avec son gardien. Et là, l'attaque éthérique, eh c'est une attaque directement avec le D20, avec la défense de l'adversaire, si mon adversaire était à des 8 Et là... Effectivement, on se rend compte que cet adversaire risque de passer de vie à trépas puisque j'ai réussi à faire un 20 avec le dé d'attaque éthérique et un 3 avec la défense. Et je dirais qu'avec tous ces éléments, eh bien vous avez euh, tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez jouer à une partie des gardiens des terres, avec les différents peuples, leurs différentes forces, leurs différentes faiblesses. Et chacun euh, va pouvoir aider les autres hein, dans la résolution euh, des combats et chose que vous allez voir sur l'actuel play qui va suivre. Merci à vous.